savez que Paris est la capitale de la mode. Tout le monde le sait. N'empêche que l'année dernière, on s'est fringué pour 16 millions en Allemagne et en Tchécoslovaquie. Vous trouvez pas ça marrant? Eh bien non, je trouve pas ça marrant. Je trouve que c'est honteux de tout acheter à l'étranger. L'économie française se réfugie elle aussi dans le protectionnisme. Dans l'esprit de nombreux Français, le chômage est causé par l'importation de marchandises étrangères. Mieux vaut acheter les bons produits français. Tous les Français n'achetaient que du charbon français, nous pourrions travailler à plein rendement et notre situation serait plus prospère. Donc au lieu de détruire les produits agricoles ou les produits français, on invitait bien sûr les citoyens à consommer français d'abord. Donc ça, c'est cette espèce de montée du protectionnisme sur lesquels, il est vrai, les Français n'ont pas lésiné. On a été très protectionnistes. En grande partie parce qu'il fallait sauver l'agriculture, mais ça s'est fait très souvent au détriment de l'industrie. Confrontée à une chute vertigineuse de ses exportations, l'industrie automobile française en pleine expansion connaît de graves difficultés. Le groupe Citroën, qui concentre sa production sur les voitures de luxe, est au bord de la faillite. De son côté, l'entreprise Renault, qui fabrique des voitures de grande série, décide de réduire son activité et d'étendre sa gamme. Ces nouveaux modèles de véhicules utilitaires permettent de relancer les ventes. Les agriculteurs sont les principaux clients des véhicules Renault, qu'ils apprécient pour leur fonctionnalité. En Allemagne, l'État continue d'appliquer une politique de rigueur sociale extrêmement sévère. Une nouvelle ordonnance autorise les entreprises à réduire les salaires jusqu'à 50%. Les conventions collectives cessent d'être appliquées. Là aussi, les syndicats n'opposent qu'une faible résistance. Alors que la crise économique mondiale atteint son point culminant, l'Allemagne enregistre 70 000 faillites d'entreprises et compte officiellement 6 millions de chômeurs. La diminution des aides de l'État plonge une grande partie de la population dans la misère. Chacun lutte pour sa survie. Helmut Schmider dispose alors de moins de 5 marks par semaine pour vivre. Je touchais 4 marks et 80 pfennig par semaine. Je versais une pension de 3 marks à ma mère et il me restait 1 mark 80. Une place de cinéma coûtait 45 pfennig pour les chômeurs. De temps en temps, on avait aussi besoin de s'acheter un pantalon ou une paire de souliers. Un pantalon coûtait entre 10 et 12 marks. On se débrouillait comme on pouvait. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais à l'époque, on passait dans les champs après les récoltes et on allait récupérer les pommes de terre qui restaient. De nombreux Allemands démunis doivent quitter leur logement. Ils trouvent refuge dans les foyers d'accueil destinés aux sans-abri. En 1932, près de 500 000 personnes vivent dans l'errance. Reinhold Pressler, un jeune charpentier au chômage, décide de partir sur les routes pour quelques mois avec deux de ses amis. Libres et sans attache, ils sont accueillis dans les foyers de travailleurs où ils sont nourris et logés. Les compagnons de fortune de Reinhold Pressler sont tous dans l'indigence. Dans les foyers d'accueil, la place se fait rare. En échange du couvert et du logis, de nombreuses communes instaurent un système de travail obligatoire. Il y avait beaucoup de travaux communaux à faire. En hiver, on déblayait la neige. Parfois, on empierrait les routes de campagne. On était assis par terre et on cassait des cailloux pour boucher les trous. Et puis, ça m'est aussi arrivé de balayer la place de l'hôtel de ville à Rothenburg-Obertauber. Contrairement à leurs collègues allemands, les syndicalistes français sont de plus en plus nombreux à protester contre l'aggravation généralisée de la situation. C'est leur niveau de vie qui a souffert. Il y a eu une sorte de paupérisation relative, si vous voulez, de la classe ouvrière et aussi, il faut dire, des fonctionnaires qui jusqu'à présent étaient un peu privilégiés. Et la classe moyenne commerçante et la classe moyenne paysanne a aussi souffert. Mais c'était plutôt un déclassement, si vous voulez, une perte de prestige social et une détérioration du niveau de vie.
Mais sur le plan politique, les conséquences de la crise économique en France ne sont pas aussi désastreuses qu'en Allemagne. Malgré les graves difficultés auxquelles elle doit faire face, la démocratie française n'est pas en danger. Le refus du fascisme, parce qu'en Allemagne, en France, les valeurs républicaines, la République étaient très très bien établies, et on voulait d'abord conserver la liberté et la République, si bien qu'il y avait une constellation différente par rapport à l'Allemagne, où la République était en train d'échouer. Contrairement à l'Allemagne, la majeure partie de la population s'est tournée vers une gauche unie, vers l'union de la gauche. En proie à la misère et au désespoir, la population descend dans la rue. La radicalisation de la société favorise la montée des extrêmes politiques. Au cours des élections législatives qui se multiplient, les partis radicaux de gauche et de droite, hostiles à la République, emportent de plus en plus de voix, notamment le Parti National Socialiste. En janvier 1933, l'économie allemande ne montre aucun signe d'amélioration. La démocratie capitule. Après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'Allemagne amorce un redressement. Les chômeurs sont réquisitionnés pour construire de nouvelles autoroutes. Beaucoup sont enrôlés de force dans le Reicharbeitsdienst, le service du travail du Reich. Aujourd'hui encore, certains pensent à tort que les mesures prises par les nazis ont permis de résorber le chômage. Attention, soyons bien clairs là-dessus. La crise de l'emploi était telle que la construction de quelques milliers de kilomètres d'autoroutes n'aurait pas suffi à assurer le plein emploi. Et si on regarde les chiffres, on voit qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait avant 1936. La plus grosse partie des autoroutes a été construite après 1936. À ce moment-là, ça faisait déjà longtemps que le plein emploi avait été atteint. Donc ce n'est pas grâce à ça que le chômage a diminué. Et si on y regarde de plus près, on voit que le service du travail ne comptait en moyenne que 300 000 travailleurs. À l'époque, il y avait environ 5 millions de chômeurs en Allemagne, et même sûrement beaucoup plus avec le chômage caché. Donc ce n'est pas ça qui a fait baisser le chômage. Pourtant, la majorité des Allemands applaudit. Le chômage semble éradiqué. En réalité, les nazis bénéficient des mesures prises par leurs prédécesseurs. La diminution du chômage est surtout due à la politique impitoyable de réduction salariale pratiquée par le gouvernement Brüning. Les salaires qui avaient été baissés par décret n'ont pas été rehaussés par les nazis malgré la reprise économique. Cela a eu des conséquences terribles. Quand on regarde les chiffres de la répartition du revenu entre salaire et profit au cours de l'histoire économique de l'Allemagne, on s'aperçoit que l'écart entre profit et salaire ne s'est jamais autant creusé que pendant la période nazie. Le régime avait orchestré une politique de répartition qui avantageait très largement le capital au détriment du travail. Aujourd'hui, tout ça est un peu tombé dans l'oubli. Le succès de la relance économique est exclusivement attribué aux nazis. Rares sont ceux qui pensent aux victimes de leur politique. Mais l'enthousiasme général ne dure qu'un temps. Avec Hitler, l'Allemagne a pris un nouveau cap. La prochaine guerre était déjà en train de se préparer. Si Hitler a commencé à faire construire des autoroutes, c'était en prévision de la guerre.